comment allez-vous? Il y en a un qui arrive calme et l'autre qui arrive en sautant. Vous avez un non-sportif et un sportif, voilà. Alors, j'espère que tu vas bien, Charles. Charles, comment il est pas du matin, Hugo. Aujourd'hui, on est là pour une grosse vidéo. Pour le nouveau Vendée des Vrais, nous allons faire le Sans les mains challenge. Bah oui, après le pause challenge, nous avions fait ça ensemble. J'avais douillé. La trolette. Tu avais douillé. Non, mec, non, t'es horrible. Mec, t'es vraiment m'enfourée. Et aujourd'hui, nous allons sur cette vidéo demander à Antoine de réaliser un truc. Alors, j'ai pas encore vu ça vraiment sur internet. Bien, Antoine va devoir faire certaines actions basiques sans les mains. En public, nous allons beaucoup rigoler. Ça va j'ai bien parce que tu m'as toujours pas dit ce que j'allais faire. Et du coup, bah, je sais pas à quoi m'attendre. J'espère que tu es prêt. Nous allons commencer tout de suite. Tu vas casser un œuf. Attends, non, mais t'es pas sérieux. Bon bah. Comment bien démarrer sa journée? Je vais te le préparer à ma manière, tu vois, c'est une petite technique que j'ai inventée, tu vois. Genre, c'est arrivé, t'as là. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je pensais que l'œuf c'était hyper dur, du coup, j'y suis allé un petit peu fort, je pense. Ah bon? Et du coup, bah en fait, il a explosé. Et comment est-ce que tu le transvases dans le bol, du coup? Parce que le but c'était de le mettre dans le bol, sinon ce sera challenge fail. Ah, fallait le mettre dedans? Ah bah, pourquoi est-ce que je t'ai mis dans le bol? C'était pas pour de la déco. Tu vas pas préciser, Hugo. Deuxième chance. Sachant que c'était un œuf périmé. Oui, celui-là il date bien d'il y a 2 mois, frérot. Mais okay. Toi, alors faut que je le mette dedans et que je l'ouvre. C'est ça. Alors, mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, on prend le café. Oh, oh. Antoine. Comment je le sors maintenant? Pas de triche. Et il va. Voilà, calmement. Est-ce que t'as versé tout là? C'est incroyable, regardez. J'ai réussi à me préparer un œuf. Je suis trop fier de moi. Bravo, et bien c'est un premier challenge. Réussi, bravo Antoine. Nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Bon. Antoine, tu vas maintenant pouvoir faire une nouvelle création. Tu vas dessiner. Alors déjà que de base, c'est pas très fameux. Allez, okay, vas-y. Écarte ton pied, mets-le là, mets-toi bien. C'est ok. Parti. Si tu veux me dessiner le truc le plus classique, commence par un bon bonhomme. Ok. Alors déjà, tu fais la tête. Ok. Carré. Ouais. D'accord. Tac. Tac. Petite signature. Et voilà. En vrai. On dirait les dessins qu'on ramenait à nos parents en maternelle. De ouf. De ouf. Oh, vous le faites gagner. Hein? Mais ouais. Oh. Si tu mets les dessins, nous allons exploiter ta création, Antoine. Sans éthique, sans morale, pour pouvoir booster l'engagement de cette fille. Non mais comment il en profite? Si vous voulez vraiment ce dessin, dites-nous pourquoi vous le voulez dans les commentaires. Et en tout cas, on ira contacter au bout de 2 semaines après la sortie de cette vidéo une des personnes qui a commenté pour lui envoyer à son adresse postale ce beau dessin fait par les pieds d'Antoine. Est-ce que tu me donnes 100 euros si je mets ça dans la bouche? Quoi? Je me lève. Vas-y, pour 100 balles. Non, là on va se serrer à la main. J'ai le droit d'utiliser ma main là? Là, j'ai le droit d'utiliser. Ok, waya. Hugo, mais qu'est-ce qu'il fait? T'es pas malade, hein? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Oh non! Oh non, pas ça! L'aventure, c'est l'aventure. What? Mais Hugo! It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? Voilà, j'en ai je sors de cette pièce, je sors. Je vais mettre du désinfectant dans la bouche, c'est dégueulasse. Miaou. Bon, Antoine, maintenant, je vais te demander de faire un petit post YouTube sans les mains. Okay. Un petit post communauté sur ta chaîne YouTube, vous pourrez le retrouver sur la chaîne d'Antoine Scoot the Street. Okay. Ce que tu veux. La première étape, c'est de prendre le téléphone, du coup. je sais. Vas-y. Alors, comment vas-tu faire? Là, ça risque d'être problématique. Bah, en théorie, okay. Quand t'es dans ce sens-là, ouais. Tout droit, il tient le téléphone, ouais. Il est là. Donc, si tu te retournes, si ta tête elle est sur le sol. Mais... Ouais. Ok. Faut que je le retourne, faut que je le retourne. Voilà, hop, et voilà. Oh. Ok, alors là. Mec, attends. Tac. Tu nous prends une petite photo pour tes abonnés? Allez, photo. Mec, je suis au sol. Okay. Mais un minuteur. Oh ouais, c'est vrai, il y a le minuteur. Ça existe? J'ai oublié. Ok, attends. Ok, tu me... 3, 2, 1. Yeah! Okay, c'est bon, on a notre photo. Ouais, non, c'est bien. Oh, ok, ok, ok. Allez, maintenant, écris-nous un petit texte. T'as pas le droit de te corriger. Attention, nouvelle règle. J'y ai rajouté des petits clous, tout rouillé, avec le tétanos. Ok, attends, je vais changer de technique. Non! Vu qu'on est le matin, je me dis, on va souhaiter la bonne journée aux abonnés. Carrément. Ok? Allez, ok, bah. Très. Alors, est-ce qu'il va nous faire l'accent? Ah, ouais, l'accent. Oh, il maintient. Ouais! Ok, attends. Bah, non, j'ai mis 2! Ok, je finis au nez, c'est plus simple. Bonne journée. Ouais, j'ai fait une faute. Ouais. Bon bah c'est possible. Bon bah c'est carré.
attends, viens, on va voir, est-ce qu'il pour... on va avoir déjà des réactions. On va attendre un peu, on va attendre un peu. On regardera tout à l'heure. Comment tu le remets dans ta poche? Là, ça c'est ça, ça va être plus compliqué. Ça fait une super idée. Remettons-le dans la poche, Antoine. Allons-y. Mais là, regardez. Comment je peux le ranger, mon téléphone? Voilà. Ok. Oh! Et voilà! Dans la poche! Boum! Bravo, Antoine! On a réussi à ranger le téléphone! Maintenant, on va partir dans Paris, mais avant de partir en Paris, il faut bien évidemment que tu te prépares. Non, vas-y, te casse pas le dos, te casse pas le bar. Et tu sais quoi, je vais te faire grâce de la chaussette, tu peux la mettre quand même. Sinon, tu vas te bouger. T'es sûr? Ouais, oh, il est gentil. Y'a rien. Non. Malheureusement. Voilà, et là, tu peux sortir et comme voilà, ça. C'est carré. C'est parti, nous allons aller dans les rues de Paris. Antoine, va. Pas utiliser ses mains. Voilà, c'est ça, t'as bien compris le concept. Antoine, j'aurais envie d'un chewing-gum. Y aurait moyen que tu me passes un chewing-gum et aussi que tu t'en prennes un par ailleurs. Sans les mains. C'est ouf, il veut que je lui passe un chewing-gum. Genre. Sans les mains. Ok. Non mais c'est du bon aluminium. Voilà. Oula, oula, oula. Tiens, c'est cadeau, Hugo. Il est pas mouillé le... Tu l'as mis dans ta bouche? Bah oui. Non. Bah si. T'es pas malade? Non, non, je suis pas malade. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? Voilà Hugo, c'est bon, cadeau. Bah écoute, merci Antoine. Bonjour, c'était superbe. On va bientôt arriver à l'endroit fatidique. Chut. Ah, j'ai peur. T'as des trucs à me conseiller ou pas Hugo? Alors, si tu nous prenais un petit livre sur les dinosaures... Alors, je te le pose. Ok. Ok, bon bah déjà première couverture elle est sympa. Oh ouais, hey, hey. Bah non mais elle est bien cette plage aussi. Moi je veux la page 24. Tu veux la page 24? Allez, la page 24. Attends, tu sais quoi, si tu tombes sur la 24 au hasard, t'as pas à me payer les 100 euros. Vas-y, serre-moi l'épaule. Okay. Ok, vas-y, parfait. Ok, page 24. Et c'est du 27. Oh, j'ai la haine. Allez, une belle carte là. Antoine va essayer de nous trouver une belle carte. Une tu belle vas carte. Voyager. Ok. Où est-ce que tu veux aller, Antoine? Oh. Vas-y, pose-la nous. Yes. Oh. Alors vas-y, ouvre-nous la carte. Ok. Excusez-moi. Ok. T'as vu où est-ce que tu voulais aller? Ouais, moi c'est good. Okay. Tranquillement. Et bah super. Ça t'a déjà fait une partie du travail. Ah ouais, de ouf. On repart avec la technique des pieds. Y'a un mec qui va venir, de la sécurité, il va venir te dire: qu'est-ce que vous faites pieds nus, monsieur? Vous êtes dans une librairie. Non mais j'aime bien lire pieds nus. Alors, ça me détend, c'est toujours bien. Comme à la maison, tu sais, faut être tranquille. Mais maintenant il commence à gérer le truc, hein. Je vais devoir l'acheter, un mec qui me l'a mordu la carte. Je vais devoir l'acheter. Tu sais combien ça m'a coûté ça? Combien? 13,20€. Allez hop, et voilà. Écoute, je te mets cette carte ici. Et merci Hugo. Hop, nickel. Et voilà, c'est parti, maintenant on va continuer. Allons tirer de l'argent, il n'y a pas de l'argent à tirer. C'est parti Antoine, tu vas pouvoir me donner les 100€. Allez, ok, on cache le code. 87, 10. Et comment je me fais pas respecter aujourd'hui? Mes billets, ouais. Tiens Hugo. Yes, aïe. Merci Antoine, c'est cool franchement. Ça c'est le, ça a le goût de la labeur. Non pas du tout. De la beurre. De la beurre, du beurre. Mais non. Bon, on est dans le McDo Antoine, je te laisse commander. Allez vas-y, t'as la bande devant toi. Ok. C'est parti. Ok. Prends-moi une grande frite. Donc grande frite. On va dans les boissons. Oui, ouais. Ketchup ou mayo? Plutôt ketchup. De ketchup? Ouais. Allez. Voilà carré. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas attendre qu'on t'appelle. Quand la personne arrive, tu dis juste j'ai les mains paralysées, donc elle te le donne dans la bouche. Donc faut que je dise ça. Ouais. Ok. Je
journée. Il a même pas eu à parler, mec, le gars il nous a donné dans la bouche. Il a eu direction. Hey, tu veux pas aller voir les commentaires de mon post que j'ai posté ah ce oui, matin? C'est vrai, attends, viens, on se pose deux minutes, on regarde. Ah putain, je me disais pourquoi il attend. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait attendre? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah putain, ça sent hypnose. MDR, il s'est pas hypnotisé. Pied et kebne jour ne à tous les potes. Ah ouais, t'as quand même écrit hashtag SOS. Ouais, j'ai pas fait. L'alcool fait des ravages. Et y'a un gars qui a fini avec bande de fils de. Ça, c'est what sympa. Bah ça fait plaisir. Il y a des gens qui m'ont dit tu souris trop pour aller bien. T'as marqué quand même SOS sur ton poste, ouais, donc les gens vont se poser des questions. Tu là. Me payes une petite trottinette électrique là, Hugo? Je ralasse. Et là Antoine, tu vas pouvoir profiter de cette trottinette sans les mains. Allez. Bien évidemment, ne reproduisez pas ce qu'on va faire, sachant qu'il a pas de casque. C'est dangereux. Parce que c'est un professionnel de la trottinette, littéralement. Là, voilà, t'avances. Non mais l'accélérateur. Ouais mais l'accélérateur c'est pas possible. Non mais je rêve. Attends, si je te pousse un peu. Vas-y. Oh c'est cassé. Oh c'est cassé. C'est tellement casse galeux. Mais attends, mais comment t'arrives à tenir en équipe sur ça? Mec, le gars il va tenir sur une trottinette sans les mains quoi. Mais c'est n'importe quoi. Alors c'est validé ou pas la trottinette? Ah mec, là 200%. Faut pas que je tombe, là. Ouais, ça tombe. Ah, il a géré, bravo. Le premier trotty rider de France. Ouais, on sait pas faire la trotty sans les mains nous. Nous sommes devant un glacier. Il l'avait toujours pas marqué. Mec, non. Et moi je t'avoue, j'ai une petite envie de glace. Ok. Donc ça me ferait grave. Ah donc c'est pour toi, ça va, non, moi j'ai pas trop envie. Mais non, frérot. Vous savez quoi, je vais vous prendre spéculoos et chocolat des Caraïbes. Super. Alors il y a un défi, il est obligé. Je suis obligé de la prendre. Tu peux pas la prendre. Mais j'ai pas les bras. Comment je pourrais la prendre? Tu la prends par le bas. Par le bas et elle tient debout. Si on voilà, peut comme ça, vas-y. Ne vous inquiétez pas, allez-y. Voilà. C'est pas grave, monsieur, vous embêtez pas. Ok, allez, allez Antoine, mets-le là, C'est bon? C'est bon. Voilà. Et moi, je vais m'occuper de payer. Ouais, c'est d'en manger un petit peu. Attends, je me permets, frérot. Ouais. Je me permets deux secondes. Oh, ouais, mais. Le bâtard. Ah, j'ai archi bon. J'ai super bon. Merci, monsieur. Voilà. Allez. Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un sortir d'un glacier comme ça? Je te. Mais. Oh, ouais. Ah, il m'en a foutu partout, quoi. Bon, écoute, en tout cas. Donc, Antoine, on va aller maintenant à la dernière localisation. C'est un endroit qui est devenu emblématique à Paris. On va y aller maintenant, c'est juste à côté. Allez, c'est parti. Je sens que ça va être de la merde. Nous sommes dans l'un des endroits qui est devenu les plus trendy. Tu sais ce que c'est? Mais non, je trouve pas, j'essaie de chercher, mais non. C'est juste derrière toi. C'est le KFC de Strasbourg-Saint-Denis. Tu sais qui est venu là-dedans? Non. Kim Kardashian et Kanye West. Mais non. Ah bon? Ils ont même apparemment installé une plaque à l'intérieur sur la borne sur laquelle ils ont commandé. Oui, je te jure. Mais mec, je savais pas. Kim Kardashian et Kanye West ont commandé sur cette borne le 19 février 2020. C'est Dans abusé, les... c'est ils étaient là, bon. Bon, qu'est-ce que tu veux? Faut que je prenne un truc qui soit mangeable facilement avec les mains. Vas-y, Antoine, mets combien? Voilà. Pourrais-tu transvaser ces glaçons dans la boisson? Et le renversement, hein? Pas comme la glace. Why? Why? Bon, on va s'arrêter là, c'est moi aussi, on va s'arrêter là parce que c'est moi qui vais la boire cette boisson, frère, c'est dégueulasse, putain. T'es pas malade, hein? Tu vas nous manger maintenant ton maïs. Ils l'ont très serré. Ils l'ont trop serré. Allez. Antoine. Il est bon le maïs? Trop bon. T'as des chicken wings? Ouais, j'ai pris du poulet. C'est parfait, on va finir sur ça. Voilà, vas-y. Ok. Faut les mettre sur le plateau. Ça va, c'est easy? Ouais, ils sont trop bons, mec. Ok, maintenant pour boire. Vas-y. Ah
C'était sûr. T'es un bâtard, mec. Tu m'as fait. Attention. J'en étais sûr, mec. C'était sûr que t'allais faire ça. Flashback à ce qu'Antoine m'a fait qui était pire. Le post challenge, tu m'as renversé un coca. J'étais habillé tout en blanc, frère. Allez, bois. One night, putain. Ok, bon, on finit de manger, mec. Évidemment, ne mangez pas comme des gorées comme nous, on va tout nettoyer. C'est vraiment pour la vidéo. Avant qu'on débriefe de la vidéo, tout d'abord, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu. N'hésitez pas à le faire pour qu'on fasse un autre épisode. N'hésitez pas aussi à vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Antoine. Et du coup, vous pouvez aussi vous abonner à sa chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo. On se retrouve dans une prochaine. D'ailleurs, c'est vendredi prochain à 18h03. Incroyable, c'est incroyable. Magique, magnifique. Eh, hey, tu me rends mes 100 euros en fait. Sous quel 100 euros auquel je vais te rendre. Wow. J'ai travaillé pour ça. Hey, je pensais qu'il allait me les rendre en fin de vidéo, mais apparemment non. Ah ouais. Moi je vais y aller, je te laisse Antoine tout seul à la prochaine. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vais manger. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like this about as good as it gets. Do it like this.